Vous me laissez parler, n'est-ce pas? En ma qualité d'huissier, j'ai sur vous l'avantage de connaître Mazira. Ce sont des gens bizarres, mais inoffensifs. Des relations? Professionnels. Je leur fais visite deux ou trois fois l'an. Généralement, j'obtiens qu'ils règlent leurs dettes avant saisie. Mais cette fois, on s'entête des deux côtés. Robert Mazira refuse de payer ses consommations de gaz. Et vous connaissez les administrations, n'est-ce pas? Elles font encore moins de sentiments que les huissiers. Robert Mazira, le neveu, est une espèce de poète, un inventeur. Moi, je le considère ça comme un fumiste, mais enfin, lui se prétend inventeur. Ah, incapable de la moindre grâce. Seulement, voilà, il y a les deux temps. Alors là, ouvrez-le. Un jour, l'aîné m'a envoyé le contenu d'un pistolet à eau en pleine figure. C'est pas très méchant. Ah, j'ai dit le contenu. Je n'ai pas dit que c'était de l'eau. Au mercurochrome. Monsieur, c'est à quel sujet? Mademoiselle, nous désirons voir Monsieur Robert Mazira. Absent. Mademoiselle, vous auriez tort de faire une quelconque opposition. Vous savez très bien qui je suis, et ce monsieur est le commissaire de votre quartier. Oh, enfin, depuis le temps que nous l'attendions, celui-là. Entrez, monsieur le commissaire, mais pas vous. Non, mademoiselle, je ne puis mener à bien ma mission sans ces messieurs. Ah bon, entrez. Il n'y a que le vieux qui m'énerve. Oh. L'autre a l'air assez bien élevé. Suivez-moi. Je vous en prie, messieurs, asseyez-vous. C'est Tati. Robert, tu peux descendre, c'est le commissaire. Il y a aussi le vieux rapace. Et lui, je lui conseille de ne pas ouvrir le bec. Je viens, Tati. Fais attendre ces messieurs. C'est le téléphone? Ah non? C'est le Mazirafone, une invention de mon neveu. Ah. Oh! Santé. Ah ben, les tulipes, ça ne sent rien. Si, si, santé. Le muguet, c'est extraordinaire, ça sent le muguet. C'est aussi votre neveu. Ah, non, les fleurs, c'est moi. Vous devriez venir au mois de mai, je vous ferai respirer mon muguet. Non, mais sentez ça. Peut-être sent-il la tulipe. Non, monsieur, le lilas. Mais c'est du travail, je vous prie de croire. Et puis d'abord, vous, ça ne vous regarde pas, là. Monsieur le commissaire, je devine l'objet de votre visite. Un jour ou l'autre, le conflit devait éclater, qu'il éclate. Mais sachez bien ceci. Quelque procès que j'ai à faire, j'obtiendrai l'expulsion de ce Gabriel Tadersky. Je dois vous avouer, mademoiselle, que je ne comprends pas très bien. J'accompagne maître Loguevi, ainsi que la loi m'en fait obligation en matière de saisie. Mais oui, saisissez. Mais vous, maintenant que je vous tiens, j'ai quelque chose à vous demander. Mais enfin, mademoiselle, saisir quoi? Vous avez fait le vide. Je ne vous écoute même pas. Mademoiselle, bon, la créance est minime, mademoiselle. 122 francs 60 représentent en quittance impayée, plus les frais. Vous arrangerez ça avec mon neveu. Non, la question est de savoir comment un propriétaire peut faire pour se débarrasser d'un sale individu. Écoutez, je trouve votre attitude vis-à-vis de maître Loguevi tout à fait agressive. Mais non! Il s'agit d'un autre sale individu. Oh, c'est très déplaisant. Extrêmement déplaisant. Je vais établir un procès verbal de carence. Et vous verrez où cela vous mènera. Messieurs? Ah, Bobby, tu tombes bien. Comme d'habitude, ils n'y comprennent rien. Ils s'imaginent que nous ne sommes pas assez riches pour payer une malheureuse note de gaz. Vous voyez? Elle est parfaitement au courant. Elle sait très bien de quoi il retourne. Je vous en prie, maître. Vous êtes monsieur Robert Mazira? Oui. Tout ça est assez compliqué. Tati, sois gentil, laisse-moi parler à ces messieurs. Je préfère être seul avec eux. Mais tout peut encore s'arranger. Bon, je vous laisse. Mais comme je ne tiens pas, est-ce que ça s'arrange? Monsieur Tadersky, vous n'êtes qu'un sale rastaquaire. Le commissaire est de mon avis. Mais non, mademoiselle, qu'est-ce qui vous prend? Je vous interdis de... Maintenant, messieurs, arrangez tout ça pour le mieux.
Excusez-la, mais Tantana est demeurée très jeune de caractère. Moi, je dirais Tantana est demeurée, tout simplement. Monsieur Tadersky est notre locataire. Et je dois le dire aussi, la bête noire de mes tantes. Personnellement, je n'ai rien contre lui. Nous étions même très amis, autrefois. Existe-t-il un rapport entre lui et le sculpteur Tadersky? C'est le sculpteur, si on peut appeler ça comme ça. Oui, mais enfin, quoi de commun entre ce locataire et notre démarche? Parce qu'il faut tout de même en arriver. Nous lui avons loué un grand atelier dans le fond du jardin. Alors, tout allait très bien, jusqu'au jour où Tantana a désiré recouvrer l'usage de cette immense verrière pour ses fleurs. C'est sa partie, les fleurs. Et pour ça, il faut expulser un artiste, un sculpteur, peut-être Rodin. Je ne pense pas que Tadersky exécute des œuvres de votre goût. Mais peu importe, d'ailleurs, peu importe. Le local qu'il occupe est sous notre entière dépendance. Je veux dire pour l'eau, le gaz et l'électricité. Tous les compteurs sont dans cette maison. Alors, pour l'obliger à abandonner les lieux, Tantana a imaginé cela. Nous n'avons pas le droit de lui couper ses diverses fournitures, n'est-ce pas? Mais en refusant de payer les factures, c'est à nous qu'on supprime l'alimentation. Donc, à lui. Eh bien, c'est la première des deux raisons pour lesquelles j'ai refusé d'acquitter les dernières quittances. Et la seconde? La seconde? La seconde raison. Ah oui, eh bien, écoute, c'est encore plus dénué de sens commun. Mazira estime que le gaz de ville sent très mauvais. Mais moi aussi? Si c'est ça que tu appelles oui, manquer de... Attends, sur ce point, tout le monde est d'accord, même la compagnie, car il a fourni un rapport, des études, etc. Donc, son projet est de désodoriser le gaz. Parfait! D'où accroissement notable, des accidents. Ben, la semaine dernière, par exemple, si je n'avais pas été alerté par l'odeur... Oh, écoute, on peut tout de même oublier de fermer le robinet de temps en temps. C'est pas un crime. Si, une seule fois, et c'est un drame. Donc, il désodorise, mais pour permettre aux usagers de conserver, enfin, comment dirais-je, plutôt de déceler sa présence, tu comprends? Il le colore, et c'est bleu, mais ça tache, oui, oui, en se combinant aux vapeurs en suspension, c'est pratiquement indélébile. Bien entendu, l'administration a refusé son procédé, alors il boude. Mais il a tout de même fini par payer. Oui, enfin, si l'on peut dire. Ces gens-là, c'est une autre planète. Je sais pas comment t'expliquer, c'est toujours entre l'innocence et les farces et attrapes, tu vois. Alors, on a envie de les connaître mieux, et on sent qu'on ne sera jamais tout à fait dans le coup. Et je n'ai vu que la plus jeune des deux sœurs Mazira, il paraît que l'autre est encore plus étonnante. Oh, alors je ne me fais pas de deal. Tu trouveras bien un prétexte pour retourner chez eux dès demain matin. Non, elle n'est pas chez eux, elle est en cure. C'est sa formule, paraît-il. Lorsqu'elle perd un peu la tête, elle part en cure. Et elle ne rentre que lorsqu'elle a inventé un nouveau point de tricot. Ah oui, c'est sa spécialité. Bon, tu as raison, dès que j'aurai l'adresse, je trouverai bien le prétexte. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, Moreau. Bonjour, monsieur le commissaire. Alors, vous avez passé un bon dimanche, toujours Fontainebleau, la varappe. Vous savez, avec ce qui est tombé hier. Ah oui, il a plu? Ah oui. Tenez, monsieur le commissaire, j'ai quelque chose pour vous. Ah là là, j'aime pas beaucoup ça. C'est quelqu'un que vous connaissez bien? Mais... Non, c'est une vieille dame, une amie, probablement. Mais, monsieur le commissaire, il y a quelque chose d'écrit là derrière. Curieuse. Monsieur le commissaire, ceci est l'annonce de mon propre décès. N'inquiétez personne, je me suis bien amusé, mais maintenant tout m'ennuie. Il y a trois choses que je mets bien. Le dimanche à 11h du soir, parce que c'est l'heure de ma naissance, les macarons frais et le port et le pont Alexandre III. Alors je vais me gaver de macarons demain soir et plouf. Et c'est signé Angèle Mazira. Et ça a été posté samedi à Meudon. Le blanc. Monsieur le commissaire? Filez au pont Alexandre III et renseignez-vous. D'accord. Mareuil, vous passez chez l'imprimeur. Ou plutôt non, venez avec moi, venez. Allô, j'écoute? J'espère qu'ils sont informés, j'aimerais pas être le mauvais messager. Vous venez pour moi? Ah, excusez-moi, monsieur, je n'ai pas l'honneur. Gabriel Tadersky, sculpteur. Permettez. Eh bien non, monsieur, nous ne venons pas pour vous. Ça tombe bien. Je ne reçois jamais le lundi matin.
Donc ils ne sont pas au courant. C'est épouvantable, ça commence à s'y prendre avec d'aussi vieux enfants. Ah, commissaire! Ah, commissaire, croyez-vous quel malheur? Quel affreux malheur! Non, enfin, monsieur Mazira, je ne comprends pas. Je parle d'Angèle. De ma tante Angèle. Mais vous êtes au courant? La famille, il me semble que. Enfin, que c'est assez normal. Mais qui vous a informé? Elle. Le faire-part. Et elle nous a envoyé un faire-part. Écoutez, je viens de le prendre dans votre boîte. Mais il faut le remettre. Moi aussi, je l'ai lu et je l'ai remis. Tout de même insensé, mais qu'est-ce que c'est que ces manières? Enfin, monsieur Mazira, voulez-vous vous expliquer? Je dois m'absenter. Tante Anna elle-même est absente. Quand elle rentrera, je veux qu'elle prenne connaissance de la nouvelle. Un faire-part, n'est-ce pas? C'est tout à fait important. Un peu de logique, tout de même. Messieurs? Ça, alors? À l'occasion d'une saisie, le commissaire Lambert a fait la connaissance de Robert Mazira et d'une de ses tantes, Anna. La sœur de celle-ci, Angèle, annonce son suicide. Camarade, un tournage, l'affaire de Tourneraine, ça se discute. Je vous demande rien. Elle t'a plaqué. Je comprends pas. Ou bien c'est une histoire de picaillon. 26 ans de quai. Je pense si je connais la musique. Ah, j'en ai vu passer plus d'un. De 18 à 35 ans, c'est fille ou fric. De 35 à 50, c'est les affaires, le surmenage et tout le bazar. Après 50 ans, ça remet ça. C'est roseille et sentiment. Regarde-moi cette saleté, tu vas tout de même pas voir ça. Hein? Allez, amène-toi. Allez, amène-toi, j'appelle les flics. Ah bon? Ah ben là, ça change tout. On ne vous retient pas. Regarde. C'est pas très gentil, ça. On a ses opinions. Janvier-Louis-Léon Berthe, anarchiste de droite, jusqu'à ce qu'ils fassent leur saleté d'autoroute sur Berge. J'étais anarchiste de gauche sur notre rive. Maintenant, je suis sur la rive droite, anarchiste de droite. Ben, on pourrait collaborer tout de même. Non, jamais. Moi, avec le grand système, c'est la lutte. Ou alors, ça coûte, hein. Ah oui? Même que c'est pas donné. Ben, j'écoute. 6 litres du 12 degrés. Non. Des litres. Litres, pas d'argent. J'accepte pas d'argent du grand système. Oh! Du 12 degrés! La question que je vous pose est très claire. Si mademoiselle Mazira a subi une cure dans votre établissement ainsi que son neveu nous l'a affirmé, il y a forcément une trace de son passage, c'est-à-dire une date d'entrée et une date de sortie. Oui, ben je veux les connaître.
Je vous en prie. Ils disent qu'ils n'ont jamais eu d'Angèle Mazira dans leur établissement. Ils font des recherches. Ça, je pense qu'ils sont très empoisonnés. Ils cherchent à gagner du temps. On leur confie des vieillards difficiles s'ils les laissent filer comme des lapins. Allô, oui? Ah, docteur, bonjour. Eh bien, je vais recommencer ma petite explication. Ah, votre secrétaire vous a mis au courant. Très bien. Deux secondes, s'il vous plaît, je prends note. Oui? Cornouiller. Il y a 9 jours. Oui, sur sa demande, samedi dernier, à 17h. Mais est-ce que vous avez le droit de faire cela? Bon, je vous remercie. Au revoir, docteur. Alors, pas de demoiselle Angèle, mais une madame veuve Cornouiller, Angèle. Bon, et alors? Et alors? Elle est encore sur sa demande, accompagnée de son neveu Robert Mazira, il y a 9 jours. Elle est repartie samedi avant le repas du soir, c'est-à-dire à 17h, et toujours sur sa demande. Mais c'est invraisemblable. Comment ont-ils pu l'autoriser? Oh ben, le docteur me dit qu'elle était parfaitement normale et que ce n'est pas la première fois qu'elle vient se reposer chez lui. Normale? Elle envoie des faire-part de suicide. Bon. Ben si. Écoutez, je n'invente rien. Regardez. Angèle Mazira décédée le de sa propre volonté. C'est même souligné en rouge. Et pourquoi tout ça, son nom de jeune fille? Ni veuve ni cornouillée là-dedans. C'est bien ce que je dis, alors elle n'était pas normale. Et je vais voir ça de près. Ah bon, vous filez chez l'imprimeur qui a rédigé cette plaisanterie. Enfin, j'espère que c'est une plaisanterie, même si je la trouve mauvaise. C'est les 12 degrés, hein? Ben, où sortez-vous? J'ai mes petites entrées. Ben, ça va. Allez. Pour ce qui est de la vieille dame, 2 minutes et je suis à vous. Mais oh, qu'est-ce que vous faites? Je détruis les stocks. Anti-alcoolique, Janvier. C'est toujours ça qui rapporte tuer le pauvre monde. Pour ce qui est de la vieille toupie, là, on a causé, là, tous les deux, tout l'après-midi. C'est ici, là, juste devant chez moi. Elle aussi, elle était contre le grand système. Vous dites été, pourquoi été? J'ai pas fini. Eh, hey, celui-là, vous allez tout de même le boire. Ah non, camarade, celui-là, je vais l'échanger contre du lait. À ce moment-là, il fallait me demander du lait. Quoi, pour le foutre dans la Seine? Puis ça coûte plus cher. Et plus ça coûte, plus ça détruit le grand système. Bon, dites-moi, si on revenait à la vieille dame. La vieille dame? Tout ce qu'il en reste de la vieille dame. J'ai laissé là le nez sur l'eau. Il était 6h15 à peu près, j'allais à la messe. Enfin, à la messe. J'allais à la sortie de la messe pour la quête. Quand je suis revenu, ben, elle était plus là. Elle était là. Elle était dans le grand bain. Ah, c'est recta, camarade. Sur ceux qui plongent, il y a toujours un sur deux qui se déchausse. J'aurais tout de même pu laisser la paix, hein. Donnez. 6 litres. Ah non, ça suffit maintenant, hein. Bon. Bon, t'achèves, mais vous êtes fous, non? Ça continue, je vous faire coller en cabane, moi. Ah, un mot, je cause plus. Pourtant, j'ai encore des choses à dire. Si on me bouscule, moi... Ah oui, c'est malin. Maintenant, il va falloir que je fasse venir les hommes grenouilles. Et ça coûte cher, tout ça. Et moi, petit à petit, le grand système, je le... Bon, alors, est-ce que vous avez encore quelque chose à me dire? Angèle, elle a dû plonger vers les 11h. Comment le savez-vous? Viens avec moi. Quand je suis arrivé vers 11h, 11h10, j'ai trouvé ça qui flottait. Un sac en papier? Oui. Il flottait? Justement. C'était tout récent. Elle devait pas être bien loin. Elle devait être là sous le pont. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'elle a plongé pour parler comme vous? Elle me l'a dit. On en a parlé tout l'après-midi en mangeant des macarons. Ah, elle aimait bien ça, les macarons, la pauvre vieille. Elle en a mangé 1 kilo. Ah oui, peut-être même 2. Alors le macaron, c'est que t'embêtant avec le macaron, c'est que ça plombe. Ah! Elle en a causé comme ça. Même qu'à un moment donné, j'hésitais à savoir si je ferais pas le voyage avec elle. Ah, c'était une bonne personne, Angèle.
Vous permettez? Elle et moi, on s'entendait bien. Seulement, moi, j'ai ma mission. Détruire le grand système. Je l'ai laissé partir toute seule. Comment était-elle habillée? Noire, tout en noir. Elle portait déjà son deuil. Chapeau, voilette. Ah bien, attention, nippée. Oh, nickel. Elle m'a même laissé un souvenir. Et seulement moi, j'ai les doigts trop gros. Tu vois? Allez. Voilà. Allez, garde. Vous savez que j'aurais besoin de vous pour témoigner? Ah non, ça, alors pas question, zéro, vote, tout ça. Oui, c'est ce qu'on verra. Bon, alors à la rigueur, mais faudra m'envoyer chercher. C'est pas les cartes qui vous manquent. En tout cas, je vous remercie, monsieur Janvier. Dites donc, mon sac. Hey. C'est 6 litres et du 12. Il m'a encore appelé pour me demander de le prévenir 2 jours à l'avance si on avait besoin de lui. Drôle de gars. Oui. Ensuite, j'ai poussé jusqu'à la brigade fluviale. Ils ont commencé les recherches, mais sans grand espoir. Ben, d'après eux, on les prévient trop tard. Il faudra peut-être 15 jours ou plus pour retrouver le corps. Par contre, un marinier leur a rapporté le chapeau de la vieille dame. Ah bon? Oui. Et toi? Ben, moi, je suis passé prendre une photo chez Mazira. Alors, l'imprimeur a reconnu sa cliente. Elle s'est présentée chez lui samedi soir. C'est bien elle. Pauvre Angèle. On pourra même pas lui mettre de fleurs. Ah, ça, c'est papa. Robert, tu veux ouvrir? C'était un homme extraordinaire. Santos Dumont, Blériot, Latam, des amis à lui. Et il s'intéressait à l'aviation. À tout, mais l'aviation, et pas celle d'aujourd'hui, la vraie. Il en est mort d'ailleurs. Et ce monsieur, vous le connaissez? C'est mon neveu. Non, pas lui, l'autre. Ah non, je ne le connais pas. Non. Vous ne le connaissez, curieux, c'est parce que moi j'avais le sentiment de... Votre visage ne m'était pas inconnu, mais évidemment j'étais loin d'établir le rapprochement entre le visiteur d'un homme aussi respectable que Robert Mazira et cette vieille connaissance de Pépé l'Orgueil. En tout cas, moi, je vous ai remis tout de suite. Le nom, la profession, tout le toutim. Ah ben bravo, après 10 ans. 12. Encore bravo. C'est professionnel. Les chiffres, les tronches, enfin, je veux dire... Non, mais ne vous excusez pas. Professionnel, à quel point de vue? Vous connaissez mon passé. Je suis interdit dans tous les établissements de jeu. Casino, cercle, enfin, les autorisés, quoi. Alors, à force d'être repéré par les physionomistes, je me suis mis à les repérer à mon tour. Et de fil en aiguille, je le suis devenu. Vous êtes devenu... Physionomiste. Ah. Mémoire visuelle, le portrait dans l'œil, ça je sais. Mais Robert Mazira et vous... Expliquez-moi un peu. C'est un flambeur. Mazira, joueur? Mesdames, il venait chez nous. Et régulièrement. Cercle privé chez nous. C'est moi qui surveille les entrées. Alors je l'ai repéré tout de suite. 2 fois par semaine. Et il gagne? Ce serait bien le premier. Seulement lui, la différence avec les autres, c'est que plus il perd, et mieux ça va. On dirait que ça lui fait plaisir. Non, plus il perd, vraiment? Des fois, ça l'entraîne. Il veut vérifier. Alors, il remet ça. Et si la poisse continue, alors là, c'est la nouba. Moi, il me doit un bon paquet. Et comme ça traînait, forcément, je suis venu pour les réclamations. Parce que la vieille, celle qui est morte, c'est elle qui banquait. Je le sais, j'ai eu des chèques, je suis au courant. Chez nous, il se faisait appeler, il se fait appeler d'ailleurs toujours, l'Antimidas Bob. L'Antimidas. Remarquez que moi, je n'ai rien contre lui. Il m'a réglé. Tenez, voici le chèque. Oui, merci. Oui, entrez. Dans une seconde, Mareuil. Je vous reconvoquerai probablement. Si cela vous amuse. En tout cas, vous avez vu. Sitôt votre coup de fil, j'étais là. C'est au plaisir. Des ennuis? Mais à votre avis, Mareuil, Robert Mazira est-il homme à pousser une vieille dame dans la Seine?
Leblanc a obtenu confirmation du suicide d'Angèle Mazirat par les témoignages d'un pittoresque clochard, Janvier. Ce qui reste sujet à caution. Le commissaire Lambert n'aurait qu'à refermer tristement le dossier s'il ne découvrait une bizarrerie du comportement chez Robert Mazirat, neveu de la disparue. Celui-ci jouait gros jeu et, dès la mort de sa tante, il a réglé toutes ses dettes. N'aurait-il pas accéléré le cours du destin? Eh ben, ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui fait plaisir? Je suis dans le journal en photo. Mon chou, ça c'était épatant. Irène va en faire une jaunisse. Écoute, alors ça, si quelqu'un doit en faire une jaunisse, je ne pense pas que ce soit Irène. C'est bien une photo de moi, mais il y a une erreur de légende. D'après ce, tu aurais épousé Jacques Stenkerk, dit Pépé l'Orgueil, escroc international et proxénète. Oh, cette histoire, mais cette histoire. Je commence à le avoir dessus la tête de cette histoire. Les premiers jours, bon, maintenant, zut. Oh, on parle de toi, là. Je vais acheter un autre exemplaire, je vais découper ça, je vais le coller et je vais tout de même le montrer à Irène. Non, non, attends. La disparition de Louis Janvier, clochard de son état, seul témoin du suicide de l'excentrique vieille dame, ne manquera pas de faire rebondir une affaire que les services de police semblaient vouloir classer un peu prématurément. Janvier disparu. À première nouvelle, on pourrait me prévenir. Mais mon chéri, c'est à ça que ça sert, le journal. Ça y est, tu es prévenu. J'y vais. Allô? Non, écoute. Non. Écoute. Oh! Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air bouleversé. C'est Irène. Elle a acheté le journal. Un autre journal. Et ils ont commis la même erreur? Non, non. La légende est bonne. Mais à la place de ta photo, il paraît que c'est celle d'un clochard. Vos excuses ne me suffisent pas. Je veux une rectification. Non, mais je ne vous remercie même pas, c'est tout à fait normal. C'est insensé, non? Eh bien, Lambert. Le tout la vulnérable Lambert. Je ne vous ai jamais vu aussi accro pour une malheureuse erreur. Ah non, deux, excusez-moi. Oh, coïncidence. J'apprends par le journal que l'affaire Mazira a été classée d'une part et d'autre part que le témoin numéro 1 a disparu. Si je compte le père, la mère, le mari, Angèle et Janvier, nous en sommes à 5 disparitions. 6. Il y a un oncle qui s'est volatilisé dans les étendues arctiques au début du siècle. C'est une famille comme ça. Il y a quelque part une trappe qui les avale. De toute manière, on laisse tomber. J'ai une affaire à vous proposer, quelque chose qui vous passionnera. Une histoire de trafic. Oui? Excusez-moi, monsieur Martial, on vient me téléphoner, il y a une explosion. Une explosion? Ben, ça concerne plutôt les pompiers, on verra ensuite. C'est ce que j'ai répondu, mais comme c'est arrivé chez les Mazirat. Bon, allons-y. Excusez-moi, Martial. Téléphonez-moi dans l'après-midi. Entendu. Et voilà. Des semaines de travail gâchées, fichues. Et sales. Une commande. Un américain. Et ça, à quoi ça ressemble maintenant? Vous pouvez me le dire? Ah non. Et avant? Vous voyez pas? Et non. Equinox. Ah oui. Ah ben lui au moins il marche. Et tout ça pourquoi? À cause des Mazirat. C'est une vengeance, vous comprenez? Mais je n'aime pas du tout. Mais de là faire sauter l'atelier, ben non. Du reste, ils sont très gentils, les Mazirat. Oui, oui, ils sont très gentils et pas rétrogrades pour deux sous. Hein. Des rêveurs, des naïfs, mais pas des criminels. On n'essaye pas de tuer des gens lorsqu'on invente des fleurs, des points de tricot et des cannes lumineuses pour aveugles. Ben, vous les aimez, c'est votre droit. Moi aussi, je les aimais, ces imbéciles. En principe, ils feraient pas de mal à une mouche. Mais rien ne vous dit qu'un jour ou l'autre, ils découvriront pas que vous êtes un ennemi des mouches. Et alors là, BAM! Monsieur Tedersky, je suis policier. Alors, vos spéculations intellectuelles, je veux des faits, des preuves, des heures, des mobiles. Figuratif. Bon, je viens de passer une semaine au Guatemala. Une église à décorer. Je rentre, 8h30 du matin. Robert à ses fenêtres. Il me fait un signe amical de la main, le premier depuis 14 mois et 2 semaines. Il ferme ses persiennes, je rentre dans l'atelier, je réfléchis, c'est long, et puis je prends le chalumeau et j'allume. Et boum, badaboum, c'était dans le chalumeau.
Et le signe amical n'était, à mon avis, qu'un signe d'adieu. Mais, ce chalumeau, une invention de Robert du temps de notre amitié. Ça pompe l'oxygène de l'air et l'hydrogène de l'eau. Ça refait de l'eau et de l'air, et c'est gratuit. Et ça marche? Bon, des fois. Ah. Mais ce matin... La preuve. Mademoiselle, je suis navré, mais ce que j'ai à vous dire n'est pas totalement dénué d'importance. Monsieur le commissaire, je vous ai demandé un peu de patience. Dès que ma soupe est prête, je suis à vous. Et vous n'allez pas éplucher tout ça? Mais si. Pour vous? Non, mais non, c'est pour la soupe des oiseaux dans le jardin. Ah, vous n'allez pas défendre un seul cul de botte de ma soupe, si vous voulez. Mademoiselle Mazira, un attentat a été commis ce matin contre monsieur Gabriel Taderski, votre locataire. Il vous soupçonne. C'est grave. C'est très grave. Bon, bah bien sûr que c'est grave de soupçonner le monde, mais lui, il est fou. Et à quelle heure? 8h15. Ah, bah justement, je faisais mes courses. J'étais à l'autre bout de Paris, rue Mouffetard. Oui, j'ai un taxi qui vient me prendre tous les mardis et tous les vendredis. Il vous confirmera. Mais pourquoi? Vous faites vos courses rue Mouffetard? Oh, bah bien sûr, c'est beaucoup moins cher. Bah oui, mais le taxi... Enfin, vous devez bien payer le taxi, non? Il n'y a pas que l'argent dans la vie, mon petit. Il y a aussi les principes. Et votre neveu? Oh, insoupçonnable. Mais pourquoi insoupçonnable? Premièrement, parce que c'est un Mazira. Deuxièmement, parce que c'est Robert. Et troisièmement, parce qu'il a quitté la maison à 8h45. C'est-à-dire avant que ce monsieur Taderski n'ait éprouvé le besoin d'attirer une fois de plus l'attention sur lui. On fait du bruit comme on peut. Mademoiselle, l'absence de votre neveu à l'heure précise où l'attentat a été commis ne l'innocente pas. Taderski était en voyage depuis une semaine, il me l'a dit. On a très bien pu s'introduire dans l'atelier et saboter je ne sais trop quoi. Mais c'est stupide! Nous n'avions pas les clés de l'atelier! Je connais l'ingéniosité de votre neveu. Je ne pense pas qu'un inventeur comme lui éprouve la moindre difficulté à fabriquer une clé. Et si nous pouvions interroger monsieur Mazira? Eh ben voilà! Ça, c'est intelligent! Attendez-le! Oh! Vous ne savez pas ce que vous devriez faire tous les deux? Au lieu de rester planté là, vous devriez m'aider à éplucher mes légumes! Oh, écoutez, mademoiselle... Oui, au fond, pourquoi pas? Est-ce qu'on doit attendre? Bon, ben, faites comme vous voulez, Marie. Attendez-le ici, mais moi, je retourne près du sculpteur. Merci. Ah, mademoiselle. Vous êtes sûr? Ouais. Ah, vous savez ce qu'il me raconte? Ça vient du gaz. Ces brigands me l'ont coupé il y a 2 mois, ils l'ont rétabli sans me prévenir. Et pourquoi? Pour que... Bam! J'ai fait marteler les canalisations. De toute manière, l'installation n'est pas réglementaire, il n'y a pas de compteur. Chez eux. Chez eux, il est chez eux, le compteur. Ah bon? Ah, je comprends tout. Il savait, comprenez-vous? Il savait que j'allais exploser. On ouvre son compteur, mais on ferme les persiennes avant de partir. Il y a autre chose. On vient de retrouver un radiateur à gaz, justement. C'est le mien. Où l'avez-vous retrouvé? À part là, quelqu'un l'a saboté. Oh, magnifique. Oh, formidable. Mais c'est génial, tout simplement. Quelle allure, ça. Quel genre de sabotage? Bah, regardez. Ah. On a fait sauter le robinet. Mais c'est un criminel. C'est la matérialisation de l'apocalypse, tout simplement. Je vous en prie, Taderski, vous donnerez libre cours à vos divagations un peu plus tard. Hein. Dites-moi simplement si vous pensez que Robert Mazira a pu s'introduire chez vous en votre absence pour enlever le robinet de cet appareil. Impossible. Le robinet, il est là. C'est moi qui l'ai démonté. J'avais besoin d'une moustache. Enfin, c'est... Il faut être dément. Et puisque le gaz était coupé? Ben, on pouvait le remettre, la preuve. On peut aussi prévenir. Et un alibi pareil, ça va se sentir, non? Oui. Mais en effet... En effet, maintenant que vous me le dites, il y avait une odeur. Une forte odeur. Je me suis demandé si c'était pas du gaz. Bon, alors? Alors, monsieur le fonctionnaire, un artiste ne s'occupe pas des odeurs lorsqu'il crée. Oui, bien entendu. Oui, je crois que je ne vais pas pouvoir rester davantage, mademoiselle. Oh, quel dommage. Nous nous entendions si bien. Vous savez, Robert ne sort jamais très longtemps, ou alors il laisse un mot. Eh bien, quand il rentrera, vous lui demanderez de passer au commissariat de police. Là, je vous note l'adresse. Oui. Là. Et qu'il demande Mareuil. Oui, c'est moi. Ah. Je ne le garderai pas très longtemps. Oh, j'en suis convaincue. Au revoir, mademoiselle. Au revoir.
Au revoir. Quel charmant jeune homme. Ça devient hallucinant. Le service du gaz prétend avoir été reçu par Mademoiselle Mazira ce matin à 9h. C'est une erreur, elle dit qu'elle est à l'amour. Ah oui, elle dit. Oui, elle dit, mais c'est elle bien ce qu'elle dit. Et dans ce cas-là, dit-elle la vérité. Angèle Mazira nous annonce son suicide, mais est-ce bien Angèle Mazira? Elle est imprimeur. Nous avons son témoignage formel. Formel? Ah, ça m'arrive alors les témoignages. L'imprimeur a reçu la visite d'une vieille femme, le visage dissimulé par une voilette. Je vous concède qu'elle a reconnu Angèle. Mais enfin, sous un voile, une sœur, il existe un certain air de famille, non? Mais oui, mais pourquoi? Hein, pourquoi? Et pourquoi? C'est Angèle qui tenait les cordons de la bourse. Les inventions de Robert lui coûtent une fortune. Par ailleurs, ce doux rêveur, ce poète, est également un joueur qui se fait appeler l'Antimidas. C'est curieux, non? Il a réglé toutes ses dettes le lendemain du suicide de sa tante, laquelle a effectué un virement massif sur son compte, sur le compte de son neveu, peu avant sa disparition. Mais j'ai vérifié moi-même. C'est normal. Elle veut disparaître. Elle aime son neveu. Elle fait tout ce qu'elle peut pour l'aider. Peut-être l'a-t-il menacée. Contrainte. Mais non. Elle en aurait parlé à son clochard. Qui peut être un complice de Robert. Oh, bien sûr, avec Décide et peut-être... Et d'ailleurs, sans ce malheureux accident, le dossier était classé. Non, Mazira va venir. Je l'ai convoqué. Il s'expliquera. Et je crois que pour cette fois, c'est moi qui vois juste. Eh bien, je l'espère. Non, si. Moi, je le souhaite sincèrement. S'il se rend à votre convocation, j'admettrai la thèse de l'accident. Quelle thèse? Mais ça crève les yeux, quoi d'autre? Tedersky savait peut-être des choses compromettantes pour vous protéger. Je te sers. Informatique. Pour qui? Je sais pas, c'est marqué commissariat. Bon, madame, tiens. Tu veux une tablette? Ah oui, monsieur. Tiens. Merci, monsieur. Pas de quoi. Prends-en deux. Bon Dieu, faut que ça tombe sur moi, ça. Et le blanc, viens voir. Bon, j'ai des convocations à terminer pour mercredi. Tu vas porter ça au patron, s'il te plaît, très gentil. Hein. Va faire un coup de sang, le patron. C'est Mazira qui nous met un mot. Il a décidé de disparaître. Est-ce Robert Mazira qui, avant de disparaître, a fait sauter l'atelier de son locataire, le sculpteur Gabriel Tadersky? Et si cela était, ne serait-ce pas qu'il en savait trop long sur la disparition d'Angèle? Dis Mareuil, quand tu auras fini, on pourra faire une partie de biche. J'ai trouvé un paquet là-bas. Allons, Leblanc, allons. Dites-moi plutôt si vous avez trouvé quelque chose d'intéressant là-dedans. C'est plutôt superfouillé, monsieur le commissaire. Des recettes de cuisine, des poèmes, un alphabet, des centaines de gadgets, mais enfin rien de très intéressant. Oh, c'est formidable. Le ciel expliqué aux enfants... Et l'astronomie sans difficulté. Fais voir. Mais jetez un œil. Pardon. Très chouette.
Mars, Vénus, la Voie lactée, ouais. Andromède, Orion. Ça, j'en étais sûr. Masira Stella. Ils se sont même inventé une étoile. Ce doit être là qu'ils se retrouvent tous. Ils ne meurent pas, ils disparaissent et en route pour Masira Stella. Alors qu'est-ce qu'on fait ici puisqu'on pense la même chose? C'est plutôt moche de fouiller là-dedans. Ben, nous ne sommes pas sur leur petite planète, Mareuil, nous sommes sur la nôtre. Et jusqu'à nouvel ordre, nous avons à accomplir un certain nombre de choses. Comme par exemple d'établir si Robert n'est qu'un doux maniaque qui a fait une fugue ou l'assassin en fuite d'une vieille dame très charmante. Pour être sincère, je penche pour la première hypothèse. Bon, allez, les enfants, on rentre à la maison, hein. Vous me remettez un peu d'ordre dans tout ça. Ah, et surtout, Mareuil, n'oubliez pas la clé sous le paillasson. Sous le paillasson, la clé. Je n'oublierai pas. Allô, oui, j'écoute. Non, mademoiselle, monsieur Robert Masira est absent. C'est à quel sujet? Allô, mademoiselle, c'est à quel sujet? Allô? Donc, je vais finir par croire que c'est toi qui as raison et que je m'y prends mal avec les demoiselles. Bon, ça va, ça va. Colette, où est-ce que j'ai vu ça, Colette, moi, Colette? Ah, mais j'y suis. Colette, ah, voilà, Colette, 468-10-10. Qu'est-ce que c'est déjà, ça, le 468? Dis, Mareuil, le 468, c'est bien Neuilly, non? Non, non, invalide. J'ai bien envie de rappeler. Si tu veux vraiment savoir quelque chose, c'est pour moi. Va t'amuser. De vraies petites femmes de ménage. Encore mieux rangé qu'avant notre arrivée. Allô, 468-10-10, Colette. Allô? Eh bien, non, non, je voudrais parler à Colette. Et pourquoi, il y en a plusieurs? Eh bien, oui, c'est de la part du petit poussé des Batignolles, oui. Ah, excusez-moi. Une agence de voyage. Ben oui, tu es beaucoup plus fort que moi. Vous les avez rappelés? Non, on voulait d'abord vous en parler. Ben ça y est, vous m'en avez parlé. Alors maintenant, tâchez de savoir s'il y a quelque chose d'intéressant de ce côté-là, ce qui m'étonnerait d'ailleurs. Un nom à côté d'un numéro de téléphone, on rêve un peu et puis on s'aperçoit qu'il n'y avait aucun rapport entre eux. C'est-à-dire que... Écoute, dis-lui, toi. Non, moi je m'excuse, mais j'y suis pour rien. Alors voilà. Non, mais c'est fini, tous ces mystères. Justement, non. En partant, j'ai mis les clés sous le paillasson, il y avait une enveloppe à mon nom. Allô, Martial? Comment ça a disparu? Non, j'ai sa lettre sous les yeux. Je vous la lis, hein. Cette vie me paraît tellement absurde que je préfère rejoindre ma pauvre sœur et mon neveu. C'est signé Anna. Ben, Anna Masira, bien entendu. Il y a longtemps? Vous avez eu ça au courrier ce matin? Non, c'était sous le paillasson. Non, le paillasson, chez elle. Vous savez, c'est cette chose qu'on met devant la porte. Voilà, très bien. Mareuil, venez avec moi. Nous avons fait les recherches. Nous avions une place retenue pour le vol 691 à destination de Nice, Côte d'Azur, pour le 16, au nom de Robert Masira. À Nice, Monte Carlo, le casino. Je vous demande pardon, mais Monsieur Masira a fait annuler sa réservation. Ah, il n'est pas parti? Non. Nous avions deux annulations pour le 16. Et l'autre, comment s'appelle l'autre personne? Mademoiselle Colette Gaillon. Merci, mademoiselle. Au revoir. Votre conduite, mademoiselle Gaillon, est d'une extraordinaire légèreté.
Enfin, la presse a suffisamment parlé de cette affaire pour que vous compreniez qu'il était de votre devoir de nous fournir tous les renseignements en votre possession. Mais quels renseignements? Je ne savais rien. Je ne sais rien. Enfin, ce voyage, vous êtes tout de même au courant. Nous en avions parlé, oui, plusieurs fois. Mais j'ignorais que Robert avait pris les billets. Ben, vos rapports étaient cependant assez... Enfin, pour que Mazira prenne votre billet, j'imagine qu'il estimait avoir les plus grandes chances de vous voir l'accompagner. Nous étions fiancés. Officiellement? J'avais été présentée chez lui. Drôle de corvée, oui. Avec ces deux vieilles fées qui ne me quittaient pas du regard comme si j'allais emporter le magot. Quel magot? Un magot. Je dis ça comme ça. L'argent, quoi. Assez pour envisager une petite cure de roulette. Monsieur le commissaire... Non, excusez-moi, mademoiselle, mais j'ai sur ce point d'autres informations. Elles sont formelles. Il avait ses habitudes dans un cercle privé. C'est là où je l'ai connu. Quoi? Oui, le soir, je tiens le vestiaire. Il partait toujours le dernier. Il m'a raccompagné une fois ou deux. Mais tout ce qui l'intéressait, c'était d'écrire un livre pour démontrer qu'on ne peut jamais gagner. Il avait même trouvé un pseudonyme, l'anti-Midas. Oui, Midas, c'est un vieux type qui changeait en or tout ce qu'il touchait. Robert, c'était l'anti-Midas. Il était contre, quoi. Mais merci, mademoiselle, je crois que j'avais compris. Mais pourquoi a-t-il décommandé ce voyage? J'avais rompu. C'est ça qui m'inquiète. Il était si sensible. Mais vous aviez un motif de rompre? Oui. L'autre. Quel autre? Mon autre fiancé. Tu aurais pu me le dire. L'expert certifie que la bague que m'a remis Janvier est un bijou authentique. Oh. Quoi? La pierre à elle seule vaut plus de 40 000 francs. Et dire qu'il me l'a donné. Et que ce qu'il voulait garder, c'était le sac en papier. Quel monde bizarre, quand même. T'aurais pu me le dire. Moi, j'ai reçu son rapport ce matin. Toi, t'étais chez les dingues. Bah, pourquoi les dingues? Ah, parce que toi aussi, tu passes de l'autre côté, toi. Mais les types du gaz ont confirmé. D'ailleurs, je voulais te le dire, mais ça m'a sorti de la tête. Et regarde. Ah, ils ont procédé à la remise en fonctionnement le 17 à 8h45. La dame qui les a reçus a signé ce papier-là. Ah, Mazira. Vous permettez? Ma démarche concerne également une dame Mazira. Ah ben... Voilà quelqu'un à qui vous allez faire plaisir, c'est le commissaire. Et voyons. Le 11, Angèle Mazira quitte la clinique. Passe chez l'imprimeur, fait un virement à son neveu. Le 12, elle passe l'après-midi avec Janvier. À 11h du soir, suicide. Le 13, Robert paye ses dettes. Le 16, il rompt avec Colette. Il annule leur voyage. Janvier disparaît le 17... explosion du gaz à 9h, Robert disparaît à son tour. Dépression nerveuse, d'après Colette, consécutive à leur rupture. Le 18, c'est au tour d'Angèle, etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a, Badi? Faites-moi ça bien proprement, Mareuil, hein, qu'on essaie de se remettre les idées en place. Eh bien, Badi. C'est un type qui vous attend depuis bientôt une heure et il fait toutes sortes de secrets. Il veut vous voir personnellement. Non, demain, aujourd'hui, j'en ai ma claque. Mais c'est au sujet de Mazira. Mais alors, vous ne pouviez pas le dire plus tôt, voyons, tout de suite. Bonjour, monsieur. C'est vous qui avez demandé à me parler? Oui, monsieur. Ah, très bien, suivez-moi. J'ai demandé un entretien personnel, vous allez comprendre. Banque de la Seine et du Rhône, directeur de l'agence de Paris, André Jérôme, c'est moi. Je dois à mes clients une discrétion à toute épreuve, cependant les circonstances... Oui, très bien. Rassurez-vous, vous avez pris toutes les précautions oratoires possibles. Maintenant, passons au motif de votre démarche. Je vous en prie, monsieur, asseyez-vous. On m'a laissé entendre que les Mazira... Exactement. Voici 5 chèques tirés du compte d'Angèle Cornuyer. Veuve et tragiquement disparue. Et signée Mazira. A. Mazira. Faux nom, fausse signature. Ce sont de petits chèques. Entre 2000 et 4000 anciens francs. Le montant n'a pas d'importance. Le compte est bloqué, monsieur. Celui d'une veuve également. Et si mademoiselle Anna Mazira est de votre clientèle, je vous annonce que son compte est également A. Mazira. Anna. Elle aurait tiré de l'argent sur le compte de la disparue? Et si vous parlez de la sœur, monsieur le commissaire, effectivement, elle est de mes clients. Mais ce n'est pas sa signature. J'ai vérifié, et dans son cas, tout de même, je pense que le deuil lui aurait coupé l'appétit. Or, tous ces chèques modestes règlent de petits... Enfin, de petits gueuletons, si vous permettez cette audace de langage.
J'ai téléphoné au restaurateur intéressé et c'est toujours la même réponse. Une vieille dame qui a un joli coup de fourchette, qui ne prend pas de dessert, mais qui prend son café avec 3 sucres et qui paie par chèque. Après sa sœur Angèle et son neveu Robert, Anne Mazira a également disparu en prévenant de sa décision le commissaire Lambert. Celui-ci ne dispose plus pour lever le voile que d'une seule journée et d'une seule piste, celle de la vieille dame gourmande qui paie par chèque sans provision. Il y a bien 3 ans que ça ne s'était pas arrivé de travailler le soir. Dis-moi, à ton avis, quel genre de vieille dame peut à la fois payer par chèque sans provision... Une escroque. Non, écoute, réfléchis, mon chéri. D'abord, escroc est invariable. Ensuite, tu as tout ton temps, ce n'est pas un jeu télévisé. Et chèque sans provision, premier point. Deuxième point, jamais de dessert. Diabétique. Mais voilà. Or, si les Mazira n'ont pas réinventé la médecine, quelqu'un les soigne. Et si quelqu'un les soigne, je le saurai par le médecin de famille. Bah oui, mais comment le prouveras-tu? La routine, sécurité sociale. Mais pas eux, pas des inventeurs rentiers. Non, mais nous referons une perquisition. Oh là 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 là, je me souvenais plus de ça. Quelle barbe là. Pas de dessert, mais 3 sucres dans le café. Non, c'est noté là, toutes les déclarations concordent. C'est une vieille dame, probablement diabétique et qui adore le café avec 3 sucres. Ça n'a rien à voir, mon chou. C'est très féminin, je t'affirme. Pâtisserie, non. 3 sucres, oui. Et que le diabète se débrouille. Allons, commissaire, oublie ce café, il va t'empêcher de dormir. Les Mazira paieront. Quel Mazira? Ça fait 2 jours que je pleure à leur porte, à genoux, à rien. Amenez-moi les Mazira, je remballe tout et je m'arrange avec eux. Tous les compteurs coupés, tous. Je vous parle pas de l'artiste, il y en a vu d'autres. Mais l'homme, la bête, faut que ça mange, des choses cuites, faut que ça boive. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça signifie? Ah, l'un l'autre. Non mais dites donc, vous avez envie de passer quelques jours à l'abri? Exactement, comme tous les gens civilisés. Un abri, l'eau, le gaz. Ah bah dis. Qu'est-ce qu'ils veulent? Les Mazir ont fermé les compteurs, ils prétendent qu'on doit l'héberger. Bon, alors faites tout remballer par les agents et faites-leur conduire. C'est incroyable, ça. C'est elle? Marie! Ah, tâchez de me trouver l'adresse du médecin personnel des Mazira. Et vous lui téléphonerez aussitôt pour lui demander si Anna Mazira est diabétique. Et vous m'appelez. D'accord. Ah, Mareuil, vous savez où sont les clés? Oui, sous le paillasson. Ben alors? Pas de clé. Allez, dis donc, on parle là-dedans. Monsieur Ducane, si vous voulez bien patienter quelques minutes, j'ai déjà 2 personnes qui visitent.
Allô? Un quoi? Un agent immobilier? Mais qu'est-ce qu'il fabrique là? Ah bon, dites-moi, et pour le docteur? Pas de diabète. Ni l'une ni l'autre. Bon, merci. Bon, ben alors, faites sortir les visiteurs et ramenez les clés, hein. Mais je ne sais pas, mon vieux, débrouillez-vous. Un agent immobilier a été chargé de vendre la maison, par lettre. Une lettre qui précisait qu'on trouverait les clés sous le paillasson. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Vous m'avez demandé jusqu'à demain en m'annonçant une idée. Oui, voilà, c'est très simple et c'est même trop simple. La signataire des chèques ne règle de cette manière qu'une seule et même nature de dépense. De somptueux petits Balthazar dans les meilleurs établissements. D'après le directeur de l'agence bancaire, il ne reste qu'un seul chèque dans le carnet de la vieille dame. J'ai demandé à la chambre syndicale des restaurateurs d'alerter ses affiliés et de me prévenir s'ils recevaient un chèque signé A. Mazira. Ben, puisque vous ne m'accordez qu'une seule soirée, j'attendrai ici toute la nuit s'il le faut. Rien de spécial, patron? Non, à demain, je ferai la fermeture. Tiens, j'en ai là, vous les connaissez ceux-là? C'est pas qu'ils soient difficiles, mais ils n'en finissent plus. Ah, bah tant mieux, ça occupe. Bon, ben, je vous laisse les clés, hein. Oui, merci. Bonne nuit. C'est ça, bonne nuit, Abadie. C'est bien ça. Je vous apporte votre café dans 2 minutes. Avec 3 sucres. 1 kilo, si vous voulez. Mazira. Mazira, je crois bien que c'est ce nom-là. Allô? Oui, j'écoute. Ah, très bien, vous avez bien fait. Non, retenez-la. Retenez-la, j'arrive. Café filtre, c'est meilleur. Mesdames, c'est plus long à passer. Nous avons toute la vie, mon bon monsieur. Vous m'en auriez demandé, des macarons, j'en ai. Mais pas de comme ça. Ils sont spéciaux. Je les ai chippés. Oh, mais c'est pas bien, ça, madame. Mademoiselle. Oh, pardon. Où est-elle? C'est la dame qui est toute seule là-bas à la table. Je peux m'asseoir? Enfin, je veux dire, à votre table, madame? Mademoiselle. Ah, il faut que je le répète à tout le monde. Mademoiselle est veuve. Et veuve. Vous avez donc été mariée, mademoiselle Anna Mazira? Mais non, pas Anna. Angèle. Vous avez un chéquier sur vous? Oui, mais alors celui que je possède est à mon nom, il ne vous servirait à rien. Oh, oui, si, on signe et ça marche. J'ai très bien dîné. Oui, très bien. Ça n'arrive pas tous les jours, une fois sur deux. Et puis on a sommeil, on dort, et puis on a encore faim, et puis on recommence. Mais permettriez-vous de vous reconduire, mademoiselle Angèle? Mais c'est-à-dire que j'habite assez loin. Non, mais j'ai ma voiture. Oh, bien alors, allons-y. Seulement, c'est moi qui conduis. Pardon. Je vous en prie. Oh, je ne te félicite pas, ton ami, à temps. Quoi? Vous? Oh, il était pas temps, tu sais. Si Cornouiller ne se décide pas de demander main de main, je crois que ce sera lui le gagnant. Tu vas lui donner une chambre? Non, c'est... Non, c'est très aimable, mais ma femme ne... Vous avez le téléphone? J'en étais sûr. Tout de suite le téléphone. Angèle, ce type pue le système à plein nez. Monsieur le policier,
C'est même un commissaire. Ah oui? Oh, vous pourriez avoir le courage de vos opinions. Que dommage. Un si gentil garçon. Oui. Dites-moi, madame, mademoiselle, la moto qui est dans le jardin, j'espère que ce n'est pas l'une de vous qui l'avait volée. Mais non, c'est Colette qui est venue présenter son fiancé à Robert. Maintenant que tout est arrangé entre eux, c'est bien normal. D'ailleurs, c'est un garçon qui est très habile de ses 10 doigts, et Robert lui laissera tous ses brevets. Et nous, notre fortune. Enfin, quand nous serons vraiment en porte. Parce que moi, je le suis déjà, vous savez. Et je me suis vraiment beaucoup amusée. Bonsoir. Je vous présente Colette, ma fiancée. Enfin, mon ex-fiancée. Marcel Albi, le nouveau. Monsieur Lambert, commissaire... Non, je vous en prie, c'est... Vous les laissez dire, hein, tous dingues, mais pas méchants. Moi, je les trouve même très chouettes. Mais moi aussi. Vous alliez vous reposer. La nuit? Oh, ça non, par exemple. Il y a assez de la journée pour essayer de se reposer. Non, la nuit, nous essayons de rester ensemble. C'est ça. Et dites-moi, est-ce que nous pourrions bavarder tout de suite? Enfin, c'est possible. Louis! Oui? Des macarons pour tout le monde. Oui, Angèle, 2 kilos, comme d'habitude. Alors, c'était un faux suicide? Mais oui, bien sûr. Elle a décidé, merci mon chéri, elle a décidé un beau matin d'effacer 50 ans de sa vie, merci, et de se débarrasser de son nom d'Angèle Cornouillet pour redevenir Angèle Mazira. Mais tu vois, je crois qu'elle a réussi. Elle a retrouvé le cœur de ses 20 ans. Elle voulait épouser Janvier, le clochard sympathique, celui qu'elle avait rencontré sur les quais. C'est lui qui ne veut pas parce que ce serait entré dans le grand système. Mais Robert, Anna... Ils ont su tout de suite le faire part. Un vieux code des Mazira. Il l'utilisait déjà lorsque Robert était en pension tout gamin. Un code? Oui. Tout ce qui était souligné de rouge est faux. Tu comprends? Par exemple, la soupe est très bonne, soulignée, signifiait non, elle est infecte. Alors, pour décéder, souligné, traduire, je vis. Seulement, elle avait oublié de dire où, en quel endroit elle avait fixé la petite planète. Alors, elle est revenue le 17 au matin, mettre un mot sur le bureau de Robert, et c'est elle qui a reçu les gens du gaz, en l'absence des deux autres. Mais puisqu'ils sont riches, pourquoi ces histoires de chèques? Personne n'est légalement mort, puisque nous n'avons pas retrouvé les corps. Seulement, puisqu'ils avaient tous disparu, les comptes en banque avaient été bloqués. La seule chose à laquelle ils n'avaient pensé ni les uns ni les autres. Mais Angèle, Robert, Anna, ils s'en foutent? Oui, enfin non, quoi. Peu importe, quoi. C'est dans une histoire pareille, il ne faut pas essayer de tout comprendre. J'espère que Martial n'essayera pas. Je plaiderai. C'est vrai, ce serait injuste, ce serait cruel, quoi. Il faut faire ce que j'ai fait, il faut laisser conduire la vieille dame en tenant le frein à main serrée, parce que sinon... Non, mais d'ailleurs, des détails, tu en auras dimanche, parce que nous sommes invités... Oui, avec Mareuil, Anna l'aime beaucoup. Dimanche? Mais je croyais que tu n'étais pas sûr de retrouver leur cachette. Ah oui, c'est vrai, mais Janvier doit passer nous prendre. Je suis très content, il y aura des macarons. Bon, en attendant, va te coucher, hein? Je t'apporterai ton petit déjeuner dès demain matin. Avec 3 sucres.